Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play et la fin de Mass Effect, normalement. Donc j'espère que vous avez pété la forme, parce que moi oui, et on va tout de suite continuer. Et on se retrouve enfin devant le canal, et on va pouvoir y passer. Et j'ai le Mako qui s'envole quoi. Donc j'espère que vous allez bien, que le son est bon, que l'image est assez belle et tout. Les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. C'était déjà là avant ça? Je m'en rappelle pas. Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances. Oh non. Oh les zombies, s'il vous plaît, tout sauf ça. Bon, on monte, ça ira plus vite. Donc en fait le canal, on a fait tout ça pour un transporteur, enfin pour un relais. La citadelle se replie. Ils sont en train de sceller la station. Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Oh flûte, j'avais pas vu que la vidéo était en 10 fps. Attendez, je vais essayer de régler ça, je sais pas si c'est à cause de la scène actuelle. Non, attendez. Me revoici, désolé, je sais pas pourquoi. Ça a un peu skippé la scène, mais il y avait un petit bug, j'espère que ça ne fera pas bugger la vidéo. Et si c'est le cas, j'en suis navré. Tout va mieux. Donc ouais, vraiment désolé pour ça, j'avais pas vu qu'on était à 12-13 fps et c'était bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est réglé maintenant. Faudrait que je fasse plus attention aux fps. C'est bien par là, il faut que j'aille. Ouais, donc là c'est vraiment vraiment bien la fin. Peu importe la durée de la vidéo, on finira dans cette vidéo. Même si la vidéo dure une heure, c'est pas grave. Ça arrive. Hein.
par là-bas alors. Ok, faut que j'aille au fond. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose, c'est juste du petit combat. Hein. Quelques petits combats. J'espère que dans le prochain jeu, il y aura la map qui est sur la mini-map, hein, sinon un peu chiant. Ouais, il s'est envolé. Je m'envole, je m'envole. Voilà. On active toute l'étoile. Avec que 3 si je ne m'abuse. Forme, fait qu'on a plus grand chose. Voilà. Le transporteur est tombé. On peut continuer à avancer. Ok, on est par là, il faut que je descende tout. La musique qui se coupe encore toute seule, ça c'est assez chiant. Parce que j'essaie de voir où ils sont. On va plutôt passer par là. Ça a l'air d'être le meilleur moyen pour arriver directement en face. On va prendre un peu de fusil à pompe. Je suis passé en essoufflement, c'est chiant. On fait une petite sauvegarde rapide et on va là-bas en face. Donc j'espère que la vidéo ne passera quand même pas une heure, sinon après... Bonjour le temps d'upload. Ah, nous sommes ici, d'accord. Et il est là-bas, ça arrête. Allez, courage. Voilà, Saren est juste là.
Il a sauté. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Attends, pourquoi ? Mais pour la confrontation finale, voyons. Vous deviez vous y attendre quand même. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes... J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermir. Mais j'ai... Vous avez laissé Sovereign vous modifier? Je crois que je vous dois des remerciements, Shepard. Après Vermir, je n'ai pas... Le doute a commencé à m'envahir. Sovereign, maintenant mes doutes se sont dissipés. J'ai une foi totale en Sovereign. Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'êtres de chair. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle. C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organique et de mécanique. L'union de la chair. Je suis l'incarnation du futur, Shepard. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux protéins. Les moissonneurs sont... Vous auriez pu résister et faire front. Mais vous avez préféré vous soumettre. Courber les chines. Vous avez peut-être raison. Les implants. Sovereign est trop fort. Il y a encore un moyen d'arrêter ça. Si vous en avez le courage. Adieu, Shepard. Merci. Maintenant, mais je m'en fous, je suis full conciliation, j'aurais dû faire ça avant. Le fichier de données de Vigil a fonctionné, je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'ascension. Déverrouiller les relais autour... Vous êtes sûr de ce que vous faites, Shepard? Il pourrait y avoir beaucoup de... Cela dépasse l'humanité. Sovereign, c'est vrai. C'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller les renforts en essayant de sauver le conseil. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant ou on attend? Attendez que les bras s'ouvrent, Joker. Il faut que tous les appareils se concentrent sur ce... Un sacrifice pour le bien de tous. À tous les vaisseaux de l'Alliance, restez en formation. Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign. C'est votre seul objectif. Je répète, c'est votre seul objectif. Commandant, les renforts... C'est l'Alliance. Ouvrez un canal de transmission. Ici, Ascension. Nous subissons de lourds dégâts. Le système de défense gardienne. Assez. Nos barrières cinétiques sont Commandant, HS. Ils ont fermé le canal. Désolé le conseil, mais Sovereign est une priorité. Vérifiez qu'il est mort.
C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Adieu, Saren. Voilà. Du
calme. Tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Non. On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il? Inutile de vous énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion en tant qu'affaire. Vous devriez me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Sauvraigne. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau Conseil. Un Conseil dirigé par un président humain. Ce n'était pas une manœuvre pour que l'Alliance prenne le pouvoir. Nous risquons de graves problèmes en imposant notre autorité aux autres races. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Sauvraigne. Vous êtes devenu le symbole des qualités humaines, le courage, la force. L'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité, elles vont l'accueillir avec gratitude. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités ? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les moissonneurs sont toujours là. Ils arrivent. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant. Et voilà. La fin de Mass Effect 1. Plus que deux épisodes à faire avant la sortie du quatrième. Car oui, il y aura un Mass Effect 4. Mais certaines informations sont apparues ces derniers temps. Responsible Conceptions, Preston, Whatever May You Look. Bon, on va passer les crédits. Donc, j'espère que vous avez aimé ce let's play. Moi, franchement, j'ai bien aimé ce jeu. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire si vous avez aimé ce let's play, cette vidéo.
Et n'hésitez pas à me proposer de nouveaux let's play, on ne sait jamais. Donc c'était The Dead pour la 20 HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.